Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur la chaîne du Réveil International Jésus revient. Je suis votre humble serviteur, le serviteur de Dieu, David. Et j'ai sur ce plateau avec moi le serviteur de Dieu Israël de l'église Réveil International d'Hongrie. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, serviteur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bienvenue. Amen. Merci. Je vous laisse le soin de vous présenter. Merci. Ok. Shalom, shalom, peuple de Dieu, peuple du Réveil International, Jésus revient. Moi, c'est le serviteur de Dieu Israël, appelé Israël, du Réveil International, Jésus revient, session Hongrie. Bien-aimé, comme le livre de Jérémie pouvait le dire, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Bien-aimé, depuis le ventre de ma mère, le Seigneur Jésus me connaissait. Et le Seigneur Jésus, depuis ma naissance, ma vie n'a pas été facile, parce qu'il était appelé à être un serviteur de Dieu. Ma vie n'a pas été facile, mais le Seigneur avait sa main sur moi. Et le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Je ne vais pas dire tout, mais je vais dire l'essentiel de ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. D'abord, l'une des grandes choses, ça a commencé d'abord par... quand j'étais à l'âge de... j'étais en classe de CM1. Voilà, j'étais... Parce que d'abord, je suis orphelin. Orphelin. Je suis orphelin de... Monsieur Ouvénis. Amen. Mais avant d'aller plus loin de témoignage, oui. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Ah, d'accord. Et après quoi, je vais vous laisser... Oui, ça, effectivement. Voilà, effectivement. De vous exprimer. Effectivement, amen. Effectivement. Dans ce plus tardé, tu vas élever la voix. Et toi qui nous suis aussi en direct... Tu vas te disposer pour la prière. Alléluia. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment que tu permets. Amen. Ta parole déclare que nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et de la parole de nos témoignages. Alléluia. Et voici ton serviteur Israël qui a bien voulu encore venir proclamer tes bienfaits. Alléluia. Tes bienfaits dans sa vie. Alléluia. C'est pourquoi nous te rendons grâce et honneur. Alléluia. Et nous te disons merci de venir nous assister pour ce moment. Alléluia. Que ton esprit vienne prendre le contrôle de tout ce qui se fera encore en ce lieu. Alléluia. Mais je prie que ça ne soit plus lui qui parle, mais que ce soit ton esprit qui parle au travers de lui, pour édifier encore des milliers de personnes qui nous suivent encore en direct. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que la gloire te soit donnée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, viens et dispose ce moment. Viens prendre le contrôle de ce moment et que la gloire te soit donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans le livre de Psaume 68, à partir du verset 35 à 36, qui dit ceci, et je lis la parole du Seigneur. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël qui permet qu'en ce jour, son serviteur ait la force de témoigner pour glorifier son nom. Homme de Dieu, sans plus tarder, je vous laisse toute la place. Ok. Je recommence. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, c'est le serviteur de Dieu Israël. Appelé du Réveil International Jésus revient session Hongrie. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, quand le diable sait que tu es né pour servir Dieu, il va te mener la vie dure. Ta vie ne sera pas facile. Comme l'a dit même dans le témoignage de l'homme de Dieu, apôtre Jacques-Michel Abraham de Gagnon, il avait très bien dit ça. Le diable va te mélanger la vie, ta vie ne sera pas facile. Bien-aimé, ma vie n'a pas été facile. J'ai perdu mes parents très tôt. Je suis orphelin de père et puis de mère. J'ai perdu mes parents très très tôt. À l'âge de CM1 déjà, j'ai perdu mes parents, dont les tantes et puis les oncles de les frères et sœurs de ma maman. Ils m'ont commencé à me prendre chez eux. Donc voilà, ils ont commencé à me prendre chez eux. D'abord, j'ai été chez ma tante à Boaké. D'abord, c'est là-bas que s'est passée même la première grande chose que le Seigneur a fait. Bon, pas la première grande chose, l'une des grandes choses que le Seigneur a fait dans ma vie. J'étais à Boaké, à l'école, j'étais au CM1, j'ai oublié l'âge un peu, mais j'étais au CM1 à Boaké. J'étais dans le cycle de l'année scolaire 2001-2002, par là. C'est l'année, en 2002, il y a eu la crise. Maintenant, j'ai fait CM1 chez elle, mais je devais passer
à l'âge, il devait passer au CM2. C'est-à-dire, il a fait CM1, il devait passer au CM2. Donc, comme ça, elle m'a demandé un bonjour si je devais rester chez elle à Boaké ou si je devais venir à Abidjan chez un de mes oncles pour continuer, pour continuer à fréquenter, pour venir faire CM2 chez mon oncle. Je ne sais pas, c'est vrai, à ce temps, je ne connaissais pas le Seigneur, je n'étais pas chrétien, mais je suis devenu chrétien que le Seigneur m'a fait comprendre clairement que c'est lui qui m'a sauvé. Donc, comme ça, il a dit non, que je ne vais pas rester chez elle à Boaké, que je vais venir continuer l'école chez mon oncle à Abidjan ici. Donc, je suis venu, bien aimé, je suis venu à Abidjan en 2002. Quand je suis venu à Abidjan, dans les semaines à venir, quelques semaines plus tard, la crise a éclaté à Boaké. La crise a éclaté à Boaké, et ça, il y a eu la guerre de 2002. Il dit, c'est ça, il a compris que là, le Seigneur venait de me sauver. Parce que s'il était resté à Boaké, chez ma tante, peut-être je ne serais pas en vie. Mais le Seigneur savait que j'étais son serviteur. Donc, il fallait qu'il me sauve. Et le Seigneur m'a sauvé de cette crise-là. Parce que je vous assure que beaucoup ont perdu la vie. Il y a des femmes qui ont été violées. Il y a des femmes qui ont été il y a des gens qui ont été poignardés. Il y a des gens qui ont pris des balles perdues en 2002 à Boaké. Il y a eu des morts sur des morts. Mais le Seigneur m'a épargné de cela. Et quand il a vu ma tante, eux, ils ont marché de... Parce que notre village, c'est de Mbayako. Moi, je suis balé de Mbayako. Notre village, c'est Mbayako. Mais Boaké, Mbayako, c'est 90 km. Elles ont marché de Boaké jusqu'à Mbayako. Elles se sont tapées 90 km. Et le Seigneur m'a épargné de ça. Le Seigneur m'a épargné de ça. Parce que je me demande, même si j'étais resté à Boaké, peut-être que j'allais mourir. J'allais prendre balle perdue. Mais le Seigneur n'a pas permis cela. Et le Seigneur m'a épargné. Il m'a épargné de cela. Vraiment, je veux lui dire merci. Amen. Ça, c'est l'une des grandes choses que le Seigneur a fait. Maintenant, dans ma marche, bon, il a commencé à vivre la vie, jusqu'à ce que un jour, bon, on décide de se donner à Dieu pour devenir chrétien. Mais on s'est dit que l'église que tout le monde connaît, bon, pas que tout le monde connaît, l'église qui est un peu populaire, c'est l'église catholique. Donc, comme ça, je suis allé à l'église catholique. Dans ma marche dans l'église catholique, il a été baptisé, mais normalement il devait faire la confirmation, mais il y a quelque chose qui m'empêchait de faire la confirmation. Donc je n'ai pas fait la confirmation. Donc j'étais dans catholique, je ne sais pas. Un bon matin, il me dit franchement, la catholique, il ne sent pas qu'on prie tôt là-bas. Donc moi, j'ai quitté là-bas. Donc je suis quitté dans catholique, il me dit qu'il va être évangélique. Il va aller dans l'église évangélique, et là-bas au moins on prie fort. Il m'a dit dans l'église évangélique encore, il m'a tombé dans l'église évangélique, même qui n'est pas encore. Ça, je suis tombé à Vase d'honneur. À Vase d'honneur, il était à Vase d'honneur de Cocody, la 7e tranche. Bon, il n'y a pas duré vraiment là-bas. Parce que puisque j'étais à Cocody, ça n'a pas duré. Puis je suis venu à Bégerville par rapport à mes affaires, tout ça. Donc, de Cocody, je suis venu à Bégerville pour continuer mes affaires. Donc, je suis venu à Bégerville. C'est vrai qu'il y avait une église de Vase d'honneur à Bégerville, mais ça ne m'a pas donné vraiment le courage de continuer à Vase d'honneur. Donc, il a abandonné la voie de l'église, tout ça. Donc, il ne partait plus à l'église. Il a commencé à faire la mondanité, le copinage, la débauche. Il était dans tout ça. Et un jour, il était dans un restaurant. Il était en train de manger. Et puis, il y a une dame qui est venue. Elle était voilée, mais il y avait bout d'oreille, il y avait parfum. Le déploiement n'était pas complet, en fait. Elle a commencé à me prêcher l'évangile que de venir dans l'église à la CMCI. Donc, c'est comme ça qu'il a accepté sans hésiter. Donc, c'est comme ça qu'il a atterri à la CMCI. Il est arrivé à la CMCI. Il a vu que là-bas, on prêche la sanctification. Mais la sanctification du cœur, quoi. Voilà, pas la sanctification totale. Il n'y a pas le déploiement. Il voit les filles portent mèche. Les filles portent pantalon et jean là-bas. On fait janvier. Là-bas, on dit qu'on ne fait pas de Noël. Mais on fait janvier. Donc, moi, je me suis dit que, moi, j'ai tourné un peu dans les églises. Moi, je vois que là-bas, à la CMCI, que je suis arrivé. Je vois que là-bas, au moins, on dit qu'il ne faut pas faire copinage, il ne faut pas faire fornication, on prêche la sanctification du cœur, quoi. Mais pas le dépouillement, pas la sainte doctrine en un mot, en fait. Donc, puisqu'il n'est pas encore vu une église qui prêche la sanctification aussi pointue, non, mais je dis que, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une église qui est comme la CMCI. Donc, il a continué dans la CMCI. Il me disait que non, c'est là-bas qui est bon rentrer ici. On était convaincus. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur la vidéo de la sœur Aïssa, ce témoignage, ce fameux témoignage qui a tellement fait du bien à beaucoup de personnes. Je suis tombé sur ce témoignage
Et j'ai commencé à écouter le témoignage. Le témoignage a commencé à m'édifier. Et je suis tombé sur la partie où elle a parlé de, comment on appelle ça même, qu'en Côte d'Ivoire ici, le Seigneur lui a dit, il y a deux hommes de Dieu. Quand j'ai entendu deux hommes de Dieu, je vous assure que dans ma tête, elle dit, mais si elle dit deux hommes de Dieu, moi, quand je me suis convaincu que moi, mon pasteur qui a la CMC, c'est quelqu'un qui prêche la vérité, c'est que lui, il est dedans. Donc, j'ai commencé à écarter bien mes oreilles pour entendre le nom des deux hommes de Dieu qu'elle va dire. Et à ma grande surprise, elle parle de l'apôtre Abraham, l'apôtre Jacques Michel Abraham qui est à Gagnoua. Il dit, mais ah, dans tout ce qu'on a fait, on a tourné, donc tout ça c'est zéro quoi. Non, encore une fois, c'est deux hommes de Dieu seulement. Ah, parmi des centaines, des milliers de pasteurs là, c'est deux hommes de Dieu seulement. Ouais. Il a été convaincu un peu, mais pas totalement. Donc, moi, je suis quelqu'un de nature très curieux. Donc, il a commencé à faire des recherches sur l'apôtre Abraham, puisque c'était. C'était l'apôtre, elle avait affiché bien. C'était lui, ils ont monté sa photo d'ailleurs. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur l'apôtre Abraham parce que je suis quelqu'un de curieux. Voilà, j'aime les serviteurs de Dieu qui prêchent la vérité. Donc, j'ai commencé à faire les recherches sur l'apôtre Abraham. J'ai commencé à faire les recherches sur l'apôtre Abraham. Je suis tombé sur. Il était convaincu un peu avec le témoignage de la soeur Aïssa, mais il voulait plus d'approfondissement pour être convaincu à 100%. Parce que moi, pour me convaincre, il faut plus d'arguments. Donc, je suis tombé sur la vidéo où je peux dire la vidéo qui m'a convaincu, ou qui m'a fait convertir même intégralement au réveil international, Jésus revient. C'est la vidéo où il y avait l'apôtre qui, avec les autres hommes de Dieu, ils étaient en train de brûler les choses de Jézabel, ils brûlaient les jeans, ils brûlaient les mèches, ils brûlaient. Mais ce qui m'a plu dans cette vidéo, c'est qu'à chaque fois qu'ils brûlaient, ils prenaient la peine d'expliquer pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on porte ça. Il prend les mèches, il a commencé à parler des mèches, les faux cheveux. Franchement, cette vidéo m'a fait du bien. Cette vidéo m'a tellement fait du bien que jusqu'à présent, j'appelle ça ma vidéo préférée. Parce que c'est cette vidéo-là qui m'a converti à Jésus revient. Donc, il regardait cette vidéo, il a commencé à parler des mèches, des boucles d'oreilles. Il a dit, ça c'est un vrai serviteur. Il dit, mais c'est quel serviteur de Dieu qui brûle les choses, n'a pas froid aux yeux comme ça. Il peut brûler les choses comme ça et puis n'a pas froid aux yeux, mais on peut l'arrêter. Mais il dit, non, lui là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Il a été convaincu. Comme le Seigneur le dit dans sa parole, mais pour bien entendre ma voix. Et elle me suivre. Il dit non, il va aller dans cette église-là. Il a commencé à regarder les choses de Jésus revient, voir les délivrances qu'ils font. En tant que moi aussi, je faisais des affaires, mais mes affaires ne marchaient pas trop. Il y avait des difficultés, il était dans la tête, ça ne marchait pas comme il voulait. Donc, ça aussi, ça tombait bien. Il dit, il va à l'église, mais ça ne va pas. Donc, ça tombait bien. Donc, il a vu les contacts qu'ils ont donnés et j'ai contacté. La première personne que j'ai contactée, c'était Maman Sarah. Maman Sarah, que le Seigneur te bénisse. C'est un moment, Sarah, si elle se rappelle bien, bon, elle ne me reconnaît plus. Mais si elle regarde dans ses messages, elle va voir que la première personne qui a causé, c'était. Si elle regarde nos historiques, elle va voir. C'est la première personne qui a contacté. En fait, il a contacté Maman Sarah. Il ne savait pas que c'était Maman Sarah. Parce que c'est un numéro qu'ils ont mis sur la page Facebook de l'apôtre. Donc, il croyait que c'était l'apôtre même, en fait. Donc, le message qu'il a envoyé, il dit Shalom, shalom, papa. Vraiment, je suis tombé sur ta vidéo. Je suis convaincu que vous êtes un homme de Dieu. Il y a tel problème. Il a commencé à raconter tous mes problèmes en même temps. Maintenant, après, je vois que la personne me répond avec une voix de femme. Là. Donc, il a appelé, il dit, ah, c'est une femme. Et là, commence à me vraiment, l'accueil était tellement, c'était tellement avec amour que je me suis senti directement chez moi. Directement, il lui a expliqué mon problème. Il m'a dit de venir d'abord, de venir à la chaudière là-bas. Ils vont m'écouter et puis ils vont me mettre sur jeûne. Ils vont me donner des jours de jeûne et jeûner, puis ils vont passer à la délivrance. Il n'a pas hésité, je suis venu. Quand je suis venu, il commence à me prêcher. Je suis tombé sur. C'était l'homme de Dieu, Pierre. Voilà, évangéliste Pierre, le fils de l'apôtre, évangéliste Pierre. Et je suis tombé sur lui, il a commencé à me prêcher, lui et puis les autres hommes de Dieu. Je suis tombé. Il y avait pasteur Jean-Jacques, pasteur Jacques aussi qui était là. Voilà, pasteur Jacques Annemont, il était là aussi ce jour-là. Ils ont commencé à me prêcher, mes jeans. Ce jour-là, il avait porté un semblant de jeans. On dit ça, c'est marqué. Et je vous assure que quand ils m'ont prêché, je suis rentré à la maison, il n'a pas hésité. Il a commencé à me faire mon dépouillement. J'ai commencé à faire mon dépouillement. C'est ça, le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Parce que c'était quelqu'un d'autre qui allait raisonner. Il va dire, non, comment Jean peut conduire en affaire? Comment tu vas raisonner? Mais il vous assure que je n'ai pas cherché à raisonner. Quand ils m'ont dit que Jean conduit en affaire, ils m'ont dit telle chose parfum, les choses, que moi, y a les choses marquées, les tricots marqués, ils m'ont dit tout, j'ai rassemblé tout. J'ai boulé tout. Oui, il a boulé ça ma femme là-bas. Il vous assure que ça fait un scandale dans ma famille. Jusqu'à maintenant, il y a un cousin qui m'appelle, lui dit, va venir spécialement pour me frapper. Parce qu'il boulait Jean. Parce qu'il boulait. Que non, pourquoi moi, je ne peux pas donner ces choses-là aux gens? Comment moi, je peux bouler Jean? Je peux bouler à Bic, il est payé cher. Ok, au lieu de donner aux gens, moi, je boule ça.
Mais il dit, mais il ne peut pas donner poison à quelqu'un. Quelque chose qui sait que ce n'est pas bon, qui peut tuer, quelqu'un, il ne peut pas penser à donner à quelqu'un. Je suis désolé. Des prophètes brûlés. Ils ont parlé, parlé, ma famille, tout. Ils m'ont appelé, ils m'ont fait des menaces, tout ça. Mais quand tu es ferme, tu es ferme. Et c'est passé. Et je suis venu. Je vous assure que quand je suis venu à Jésus revient, non, franchement. Ici, au réveil international, Jésus revient. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Au réveil international, Jésus revient. Ici, là, on ne prêche pas la prospérité. Ici, on ne prêche pas la prospérité comme dans les églises où je suis passé là. Voilà, vase d'honneur, oh, tout le temps, tu entends prospérité, prospérité. Dans plein d'églises, la voix l'âge là, c'est prospérité, prospérité. Ici, on ne prêche pas la prospérité, mais c'est la parole de Dieu qu'on prêche. Mais quand tu mets la parole de Dieu en pratique, le Seigneur même te bénit. Le Seigneur même te bénit. Et moi, j'ai vécu ça. Je vous assure que j'ai raconté tous mes soucis, tout ce que j'ai rencontré à maman Sarah. Si elle voit dans nos messages, elle va voir. Tout ce que. Parce que quand il était venu, je n'ai pas trouvé l'apôtre parce qu'il était parti pour les 21 jours. Là. Donc je ne l'ai pas trouvé. Non, c'est juste maman Sarah, je suis tombé. Donc elle a commencé à me donner des choses. Me dit de venir prendre des jours de jeûne, tout ça, ils vont me faire la délivrance. Voilà. Donc elle a commencé à se respecter ça. Je me suis dépouillé. Je suis passé pratiquement 3 fois la délivrance. Voilà, pour que ma délivrance soit finie. Bien aimé, chacun sa délivrance. Donc, mais ce qu'il a remarqué dans mes affaires, il dit mes affaires ont commencé à changer. Il a commencé à avoir des marchés passés, des bons marchés. Moi qui étais dans les 100 000, les trucs, le Seigneur a commencé à m'envoyer des marchés de millions. Non, franchement, le Seigneur a commencé à se glorifier. Il dit, mais ici, on ne prêche pas prospérité là, mais un coup comme ça, là, il a commencé à me soumettre à la parole de Dieu. Mes affaires ont commencé à marcher comme ça. Mais il avait commis des erreurs quand il était dans le monde. Il avait commis des erreurs quand il n'était pas encore bien assis dans la scène d'autrice, il avait commis des erreurs qui m'ont rattrapé en un temps. Voilà, donc vous savez, les affaires, l'argent là, c'est là, comme on le dit, l'argent là, si tu ne maîtrises pas l'argent là, ça te joue un mauvais tour. Donc il n'y avait pas encore la science pour la gestion financière. Donc il faisait des erreurs, donc il suis tombé dans la dette. Donc, il a commencé à dévoir aux gens. Il dévoit ici 100 000 ici, 200 000 ici, 300 000 ici. Millions. Donc, ça me cassait tellement la tête que je réfléchissais à ça même. Ma tête veut s'exploser. J'ai pensé à ça. Il y avait même pas la tête dans la sainte doctrine, mais il n'y avait pas la paix du cœur. Il dit, ça là, comment on va faire? Comment il a fait? Il a commencé à... Mais le Seigneur commençait à continuer à me bénir, à me donner des bons marchés, voilà. Mais quand le Seigneur te bénit, te donne un bon marché, tu es remboursé. Tu fais une mauvaise erreur, tu n'arrives pas à rembourser. Déjà, c'était un esprit qui faisait ça, que le Seigneur tentait de chasser un peu. Et le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Et le Seigneur, comme ça, a commencé à me donner des marchés. Ben, l'une des choses qui va vraiment me marquer, l'une des expériences, c'est-à-dire, il y a, parmi les dettes que je devais, il y a un monsieur que je lui devais 2 millions. 2 millions, bien aimé, 2 millions là, ce n'est pas 100 francs. 2 millions, ce n'est pas 100 000. 2 millions, ce n'est pas 200 000. Il devait 2 millions, 2 bâtons. C'était une erreur que j'ai commis. Voilà. Puisque dans mon entreprise, j'ai fait des prestations. Donc, il m'avait donné une avance. Voilà. Il m'avait donné une avance d'un boulot, d'un travail de 3 millions qu'il devait faire. Il m'a donné une avance de 2 millions. Et je n'ai pas su gérer, il a dépensé l'argent. Donc, après, c'est devenu autre chose. Voilà. Pour vous dire la vérité. Donc, il fallait que je le rembourse. Donc. Voilà le monsieur. Moi, au départ, il m'appelle. C'est pas quelqu'un qui est à Abidjan ici, là, jusqu'à Bangui. Donc, il m'appelle souvent. Il me dit, non, c'est comment, moi, il le repousse. Parce que j'avais pas les moyens pour le rembourser, en fait. Donc, il le repoussait. Parce qu'il était dans la détresse. Donc, mais un jour, il s'est fâché. Il est venu carrément. Il est venu me donner une convocation. Vraiment, il était surpris. Et on est parti même jusqu'au commissariat. Il dit, Seigneur, ça, c'est pas quelque chose qui t'honore. Pour un enfant de Dieu, normalement, ça ne doit pas se faire. Mais il te demande pardon. C'est une erreur que j'ai commise. Et voici la prière que j'ai faite au Seigneur. Il dit, Seigneur, si je dois faire la prison, tu as dit, je suis ton serviteur. Si je dois faire la prison, c'est pas à cause de ces choses que tu as me laissé aller en prison. Si je dois aller en prison, là, il faut que les gens t'évangélisent sur la route, les gens t'aient de toi, et puis la police va venir me saisir, mais j'étais en prison. Ou bien, à cause de toi, sur ton nom, et puis aller en prison. Mais je ne peux pas aller en prison à cause de ces choses-là, à cause de moi-même, mes propres erreurs, à cause de ces choses hein, que le diable m'a entraîné là-dedans. Seigneur, fais quelque chose. Je vous assure que ça restait un peu le commissaire, parce que le monsieur ne voulait rien savoir, il était colérique, tout ça là.
Ça restait un peu, le commissaire allait m'arrêter. Mais le Seigneur, l'Esprit Saint a touché le cœur du commissaire. L'Esprit Saint a touché le cœur du commissaire. Et il a dit, non, il allait se voir derrière là-bas avec le monsieur, lui que je lui dois 2 millions. Ils sont revenus. L'Esprit Saint a touché son cœur aussi, au monsieur que je lui dois. Il a dit qu'il va me donner un temps pour rembourser son argent. Donc il me demande de lui donner un délai pour rembourser son argent. J'ai dit d'accord. On a réfléchi avec l'accord de ma femme. On a réfléchi. Il dit qu'on va, et on a dit que on a dit 3 mois. Avoir dit 3 mois que je disais, parce que c'est pas 2 millions, c'est pas 100 000. 2 millions, c'est pas 200 000. 2 millions, c'est pas 300 000. C'est pas petit argent. Donc avoir dit, il disait 3 millions. Il disait que je vais rembourser dans 2 mois et dans 3 mois plutôt. Mais il me remettait au Seigneur en fait. Il comptait sur le Seigneur parce que je ne sais pas comment il a fait pour rembourser ça. Par là, seulement les affaires, vraiment, ça n'allait pas. C'était bizarre. Donc, je me remettais au Seigneur avant en disant les 3 mois. Et après, il dit, il a compris, mais il me donne les 3 mois. On a prié, on a intercédé. Il a mis ça dans la main du Seigneur. Il dit, Seigneur, faut faire. Ça tardait, il ne savait pas comment je vais faire. Il ne savait pas comment je vais rembourser les 2 millions du monsieur. Un jour, je me suis levé et dit, ah, ça, franchement, c'est qu'il y a ça, là, il va aller prendre prêt. Il va aller prendre crédit pour rembourser crédit. Malgré tout ce qu'on entend, Jésus revient. Il savait très bien que le Seigneur n'est pas dans, il ne veut pas qu'on prenne des prêts. Mais tellement qu'il était dans la détresse, je me suis levé et dit, mais prends prêt. Le Seigneur est là, me regarde. Je n'ai pas demandé, comment on appelle ça, la vie du Seigneur. Tellement qu'il était dans la détresse, je n'ai pas demandé la vie du Seigneur. Puis je me suis levé et dit, mais prends prêt pour rembourser. Mais prends crédit pour rembourser. C'est vrai, il a imaginé quelque chose là-bas. Il a dit, non, c'est pour agrandir mon business, tout ça. Mais en réalité, c'était pour ça, en fait. Il voulait prendre une bonne partie de cet argent pour rembourser le monsieur, en fait. C'était l'objectif qui était là. Prends crédit pour rembourser crédit. Pas tellement qu'il me mettait la pression. Si je ne recevais pas le délai, il allait me mettre en prison, en fait. Voilà, à vrai dit. Donc, je suis allé, le Seigneur m'a laissé, il a fait tous les papiers. Il a fait certificat de résidence, tous les papiers que la banque demande pour octroyer le prêt. Le Seigneur m'a laissé dépenser tout. Maintenant, c'était un lundi, il me donnait le résultat. Mais un samedi, à la prière matinale à la maison, il priait avec ma femme. Et puis l'Esprit Saint est descendu sur ma femme. Le Seigneur a commencé à parler. Je suis votre père, tu es mon fils. Parce que moi, je suis orphelin. Le Seigneur dit, il est le père des orphelins. Il a commencé à dire, je suis son fils. Il a commencé à parler de l'apôtre Abraham. Il a commencé à nous parler comment il a fait l'alliance avec l'apôtre Abraham. Il a commencé à parler même des hommes, comment on a besoin. Tout ce qui se passe même entre les hommes de Dieu du Bénin avec l'apôtre Abraham. Il a commencé à nous raconter tout. Il a commencé à nous dire des choses. Il a commencé à raconter ma vie. Lui, comment il était depuis le ventre de ma mère. Il me connaissait. Je suis son serviteur. Il a commencé à parler. Que non, je suis allé prendre. Parce que ma femme, il n'avait pas encore dit ça bien à ma femme. Donc le Seigneur, il a dévoilé ça là un peu. Il a commencé à dire non, que je suis allé juste quand même prendre prêt. Hein, prendre prêt. Tellement que je suis dans la je suis allé prendre prêt même. Que, parce que normalement, il a appelé ma femme. Donc depuis, elle n'appelait pas ma femme. Donc, et puis, il dit que non, je suis allé prendre prêt. Que tu sais pourquoi ils n'ont pas encore appelé ma femme. Il dit parce qu'il a endurci le cœur. Le Seigneur dit qu'il a endurci le cœur des gens de la banque. Pour ne pas. Oui, il dit qu'il a fait presque pour endurcir le cœur pour ne pas qu'il me donne. Donc, il a pris ça, il a banalisé ça en fait. Parce que vous n'avez pas demandé sa volonté. Voilà, parce qu'il n'a pas demandé sa volonté en partant demander ce prêt-là. Et donc, il dit qu'il a endurci le cœur des gens de la banque. C'est à cause de ça, depuis, il n'appelle pas ma femme. Parce qu'il devait appeler ma femme pour demander des renseignements. Mais non, que lui-même, le Seigneur a dit, il dit qu'il a endurci le cœur parce que quoi? Il dit lui-même va me donner. Lui-même va me bénir. Il dit lui-même va me bénir. Que normalement, quand on a besoin de quelque chose, lui, on doit lui demander. Quand tu as besoin de quelque chose, bien aimé, c'est à ton papa, il faut t'adresser. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre d'Agé, que l'eau et l'argent l'appartient. L'eau et l'argent l'appartient. Si tu demandes quelque chose, lui, il a dit dans sa parole, si tu peux demander quelque chose, tu peux demander l'argent à ton papa et puis il va te donner un serpent. Il ne peut pas te donner un serpent. L'eau et l'argent l'appartient. Le Seigneur a dit, lui-même, il va me bénir. Donc, il a endurci le cœur des agents de la banque pour ne pas qu'il me donne. J'ai pris ça à la légère. Lundi, mon téléphone sonne. On dit, monsieur Kwame, franchement, on ne peut pas vous ordonner ce prêt. Il dit, il était dans la détresse.
Parce qu'en fait, malgré que le Seigneur a parlé, mais il me disait que ah, c'était déjà lancé. Donc, pas, j'étais convaincu que je vais avoir ce prêt-là. Parce que les gens sont venus chez moi, ils ont commencé à me rassurer. Les gens de la banque, ils sont venus chez moi. La dame, elle est venue, elle m'a commencé à me rassurer que je vais avoir ce prêt-là, je vais avoir ça. Donc, j'étais convaincu. Même malgré que le Seigneur a parlé, mais dans mon cœur, quelque part là-bas, il dit avoir ce prêt-là. Déjà, c'est mal connaître le Seigneur. Le Seigneur, il veille sur ses brebis. Quand il trébuche là, quand il va à droite là, il sait que où tu t'en vas, c'est l'enfer là. Il te ramène. Il te ramène. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Qu'est-ce pour que s'il prenait ce prêt là? Et que, parce que les banques là, ils te donnent 3 ans, 4 ans pour rembourser. Et durant cette année là, si la trompette sonne, tu fais comment? Pendant que tu as pris prêt, que ta banque a fini de rembourser, si la trompette sonne là, si la mort te surprend, quand tu es sûr que tu vas aller au ciel, et le Seigneur m'a épargné de cela. Le Seigneur m'a surpris, m'a empêché quelque chose, une erreur grave que je commettais là. Et lundi matin, on m'appelle, on me dit, monsieur Kwame, franchement, on ne peut pas vous donner le prêt. Il dit, non, pourquoi? On dit, non, on ne peut pas vous donner. Pour des raisons comme ça, on ne peut pas vous donner. Et ça, il a compris, il a commencé à prendre la parole du Seigneur au sérieux. Il a commencé à prendre la parole du Seigneur au sérieux. Il dit, ça, là, il a fait comment? Pas le monsieur me met la pression. Le monsieur me met la pression. Comment il a fait pour rembourser ces 2 millions là? Parce qu'il me met tellement la pression que c'est vrai, il lui a donné 3 mois pour rembourser. Mais il m'appelait chaque semaine pratiquement de lui verser quelque chose. Sinon, il va rompre l'engagement qu'on a pris. S'il ne donne pas ces 2 millions à l'instant, il va me foutre en prison. J'étais dans la détresse, bien aimé. Marie qui était dans la sainte doctrine. Il criait à Dieu. Il ne sait pas comment. Mais le Seigneur dit, va faire. Le Seigneur dit, va faire. Le Seigneur dit, moi, mais je vais te donner. Il dit, jusqu'à le Seigneur, même une fois, le Seigneur a saisi ma femme. Il dit, non. Que tu t'inquiètes trop. Israël, tu t'inquiètes trop. Israël, tu t'inquiètes trop. Pourquoi tu t'inquiètes? Israël, tu t'inquiètes trop. Il ne savait pas quoi faire. Il croit au Seigneur. Il avait la confiance au Seigneur. Mais il y avait des doutes, mais il ne sait pas comment le Seigneur va faire. Le Seigneur dit, il faut te calmer, je vais faire. Bien-aimé, les semaines qui suivaient, le Seigneur a fait. Il a commencé à rembourser l'argent du monsieur. Le monsieur, même lui, ne croyait pas. Parce que dans l'état où il m'a envoyé la convocation, même, il n'y avait même pas même 500 000 même sur lui-même pour lui donner même là. Lui, ça, il ne pensait même pas que... Parce que lui-même, c'est vrai, il a accepté les 3 mois que je lui ai donné. Mais lui, dans son fort intérieur, il ne croyait pas que moi, j'allais le rembourser. Donc lui-même, il préparait même ma prison, même en fait. Il préparait ma prison. Et dans les semaines qui suivent, le Seigneur a commencé à m'envoyer des marchés. Il dit, moi, mais je suis étonné. Le Seigneur a commencé à m'envoyer des marchés. Il a commencé à rembourser le monsieur. Rembourser. Il a envoyé 300 000, 400 000. Il a commencé à rembourser. Les 2 mois-là, mais n'étaient pas encore finis exactement même. Et les 3 mois plus tôt, n'étaient pas encore finis. Il a remboursé le monsieur. Le jour est fini de rembourser les 2 millions du monsieur. Il a poussé un souk. Ouais. Il dit, Seigneur, tu viens de me montrer que tu es réel. Tu viens de me montrer que tu es vivant. Tu viens de me montrer que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Et depuis ce jour, le Seigneur a commencé à faire. Le Seigneur a commencé à augmenter le chiffre d'affaires de mon entreprise. Jusqu'à mon entreprise, même qui n'était pas. Même l'apôtre, même quand il était venu au départ chez moi là-bas, lui, il a vu un peu mes débuts. Et quand il est venu récemment chez moi, lui-même, il était surpris de mon évolution. Le Seigneur m'a élevé très, 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 très. Il était très bas, mais le Seigneur m'a amené à un autre niveau. Avant, il n'y avait même pas de chiffre d'affaires. Avant de venir à Jésus, reviens même au réveil international, Jésus revient. Mais le chiffre d'affaires de mon entreprise, même à peine il était dans les centaines. Ça, c'est rare que je tombe dans. C'est rare que je fasse bénéfice millions comme ça. C'est rare. Mais depuis un mi-pied à Jésus revient, depuis qu'un mi-pied à Jésus revient, le Seigneur a commencé à me bénir d'une manière que moi-même, je suis étonné du fait que c'est une église qui ne prêche même pas la prospérité, qui prêche la vraie parole du Seigneur Jésus et le Seigneur bénit comme ça. Le Seigneur veut dire quoi par là? Quand tu suis sa parole, quand tu respectes sa parole, quand tu mets en pratique, tu te soumets à sa parole, lui-même t'est béni. L'apôtre l'a dit la dernière fois. Un enfant n'est pas obligé de venir dire à ses enfants et à ses parents. Comment on appelle ça? Un enfant n'est pas obligé de venir dire à ses parents, papa, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Lui-même, c'est ça qu'il doit lui donner. Mais ce que le parent attend de son enfant, c'est quoi? Ce que le parent attend de son enfant, c'est qu'il respecte les commandements. Tu respectes ses commandements. Le parent veut que son enfant respecte ses commandements. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend qu'on respecte sa parole. Et quand tu respectes la parole de Dieu, lui-même, t'es béni naturellement. Il dit, le Seigneur a commencé à me bénir dans mon entreprise jusqu'à même arriver à un point, mais moi, souvent, il refusait des clients. Le Seigneur a commencé à se glorifier. Le Seigneur a commencé à dire, non, ton entreprise est entre mes mains. L'entreprise même qui n'était pas
Avant, mais il appelait, c'était pas trop entreprise, mais comme c'est une, voilà, c'est une affaire, il n'était pas légalement constitué. Avant, il n'était pas légalement constitué, mais le Seigneur a permis à ce qu'il soit légal. Quand avant de venir à Jésus revient, mon entreprise n'était pas légalement constituée, il était dans, comment on appelle ça même, dans l'informel, comme on le dit. Mais depuis que je suis arrivé à Jésus revient, le Seigneur a commencé à se glorifier, jusqu'à ce que le Seigneur m'a permis à ce qu'il soit légalement constitué. Jusqu'à ce que je suis aux impôts, une SARL bien constituée, je suis aux impôts avec des employés. Et le, à part les trucs, comme on appelle ça même, les 2 millions qu'il devait, il y avait des petites dettes, les 100 000, les 200 000. Le Seigneur a commencé à me permettre de moi, rembourser ceci, rembourser par là, rembourser, boucher les petites trucs. Moi-même, je vais te bénir. Et le Seigneur a fait. Et le Seigneur a fait. Et je vois ça aujourd'hui. Alléluia. Depuis ce jour, le Seigneur ne cesse de le faire. Bien-aimé, si tu as un problème, il faut te confier à ton papa qui est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu as un problème, il faut te confier à Jésus. Le Seigneur a dit dans le livre d'Agée que l'eau et l'argent l'appartient. Si tu lui demandes quelque chose pour un cœur sincère, le Seigneur va te donner. Amen. Pour faire quelque chose qui est bon seulement, le Seigneur va te donner. Amen. Oui, je lui dis quelque chose de bon parce que si tu demandes quelque chose, tu demandes l'argent pour ne pas aller faire, pour aller faire quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur ne va pas te donner. Amen. Et depuis ce temps, le Seigneur ne cesse de se glorifier dans mon entreprise. Depuis que je suis légalement constitué, le Seigneur a commencé à m'emmener à un autre niveau. M'envoyer des marchés qui me dépassent. Juste comme un de mes collaborateurs me dit, il me dit, vieux père, toi là, je sais que tu fais Zamou. Voilà, Zamou veut dire médicament. Juste quand il me dit, vieux père, je sais que toi là, tu fais médicament. Parce qu'il ne comprend pas. Il a réagi quand il dit, je ne fais pas médicament. Il dit, ma force est Jésus. Amen. Il dit, ma force est Jésus. Il dit, ma force est Jésus. Attends, quand les gens arrivent chez moi, même ceux qui étaient passés chez moi un an avant, quand ils arrivent chez moi, ils sont étonnés. Ils sont étonnés de la transformation du lieu. Alléluia. Même l'apôtre, même là, s'il passe là-bas encore, il ne va pas reconnaître le coin. Parce que lui, il l'a vu un peu à mes débuts. Donc, s'il passe, là-bas actuellement, il ne va même pas reconnaître le coin. Parce que le Seigneur m'a amené à un autre niveau. Le Seigneur m'a amené à un autre niveau. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Psaumes 37, au verset 5, il dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, peu importe la situation que tu traverses, peu importe le problème que tu traverses, la première personne vers qui il faut se tourner, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La première personne à qui tu dois crier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu le laisses, et tu penses trouver la solution chez les hommes, laisse-moi te dire, tu seras déçu. Alléluia. Tu seras déçu. Alléluia. La Bible déclare que maudit soit quiconque met sa confiance à un homme. Toi qui places ta confiance à un homme, alors tu seras déçu. Parce que l'homme peut t'abandonner. L'homme peut te décevoir. Mais celui qui ne pourra jamais t'abandonner, celui qui ne pourra jamais te décevoir, son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est l'ami fidèle. Gloire à Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable. Il n'abandonne jamais ses enfants. C'est quoi, quelle que soit la situation, fléchis genoux et crie à lui. Certainement, il agira dans ta vie. Alléluia. Il agira dans ta vie. Alléluia. Je pouvais continuer. Bien aimé, le message derrière ce témoignage, c'est quoi? Jésus n'est pas dans les prêts. Amen. Jésus n'est pas dans. Aujourd'hui, qu'est-ce que le diable. Parce que le diable, il sait que tu portes plus les boucles d'oreilles, tu mets plus les parfums, tu mets plus les rouges à lèvres, tu t'es dépouillé de corps. Même de cœur, même tu t'es dépouillé. Mais où le diable veut t'avoir, tu sais, c'est où? Dans l'histoire de crédit. Mm. Oui, bien aimé, crédit ne peut pas te faire entrer au ciel. Crédit ne peut pas te faire entrer au ciel. Actuellement, regarde le système que le diable a trouvé actuellement. Il fait la promotion des microfinances. Quand tu regardes, tu vois sur les pancartes, tu vois partout. Les microfinances qui sont affichées, venez vous allez prendre prêt, venez vous allez prendre prêt. La dernière fois même à Benjamin, je voyais il y a une microfinance qui se promenait, baf même, qui incitait de rentrer de magasin en magasin pour inciter les gens à prendre prêt. Mais est-ce que vous savez le piège qui est derrière ça? Parce que le diable il connaît le verset de Romains 13 verset 8 qui ne devait rien à personne, c'est crédit. Dieu ne veut pas que tu prennes crédit. Jésus ne veut pas que tu prennes crédit. Parce que si tu as pris crédit et pendant que tu as été remboursé, que tu n'as pas fini de rembourser, puis la trompette sonne. Mmh. Tu fais comment? Même si la trompette n'a pas sonné, que la mort vient te trouver. C'est-à-dire, toi, ta trompette sonne. Tu as fait comment? Jésus n'est pas dans prêt. Jésus n'est pas dans ça.
Même il y a un système qui est sorti même maintenant, il y a l'histoire de mobile money là. On peut prendre prêt maintenant avec les mobile money. C'est-à-dire que les Orange, MTN, Move là, les mobile money, tu peux prendre les prêts, près de 10 000, près de 20 000, près de 100 000, 200 000 même, 500 000 même, tu peux prendre. Tout ça, c'est des pièges du diable. Bien aimé, même si tu as pris près 100 francs, tu as pris près 100 francs, que là, ton père sonne, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. Tout ça, c'est les pièges du diable. C'est les pièges du diable. Même si tu as pris crédit, même si tu peux prendre crédit d'appel téléphonique pour appeler. Si tu as pris crédit d'appel téléphonique pour appeler que tu n'as pas remboursé, la trompette sonne, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. Je me rappelle une fois le témoignage de la servante de Dieu, Anne, prophétesse de Babobo. Elle avait dit dans son témoignage, elle avait dit qu'elle avait pris crédit 500. Crédit 500 pour appeler. Mais le Seigneur lui a dit que ce jour-là, s'il venait, elle n'allait pas partir. À cause d'appel téléphonique 500 qu'elle a pris. Donc, bien aimé, l'enseignement derrière mon témoignage, évitez les histoires de prêts. Un enfant de Dieu ne doit pas prendre prêt. Même ces genres de choses-là, les histoires de prêts, les histoires d'orange money, oh, c'est l'esprit de mort qui est derrière. Oui, il y a vous raconté un témoignage. Une fois, il y avait besoin de 100 000 jamais pour régler un problème de mon entreprise là, rapidement et puis aller rembourser peut-être. Ma puce Orange, j'ai pris près 100 000 francs sur les Orange Bank là, j'ai pris ça. Je vous assure que près 100 000 est pris là. Les jours qui suivaient là, l'esprit de moi est rentré dans mon entreprise. Le chiffre d'affaires a baissé. Je ne me retrouvais plus. Je vous assure. J'ai compris par là qu'il y a un esprit de moi qui est rentré. Depuis ce jour-là, j'ai fait attention. J'ai évité de prendre ce genre de choses. C'est un piège. C'est un piège. C'est ça la sainte doctrine. C'est ça les autres églises n'ont pas et puis nous on a. La sainte doctrine, c'est tout ça là en fait. Le Seigneur dit la sanctification à tous les niveaux. Le dépouillement du corps, c'est bien. Du cœur même, c'est bien. Mais ces choses-là aussi, ça compte. Parce que le livre de Romains 13, verset 8 est là. Ça va condamner tous ceux qui prennent des crédits. Un crédit. Toi, tu étais dans l'ignorance. Tu as pris des prêts. Tu as pris des histoires d'Orange Money. Tu as pris des prêts d'appel téléphonique. Il faut t'empresser de rembourser. Tu as pris même des prêts bancaires. Il faut t'empresser de rembourser. Pas de crédit ne rentre pas au ciel. Crédit ne rentre pas au ciel. Et le Seigneur m'a sauvé là. Le Seigneur m'a donné plus que ça. Le Seigneur m'a donné plus que ça. Plus que ce que ça allait demander même. Vous voyez comment le Seigneur est bon? Le Seigneur est bon. Jésus, il faut l'expérimenter. Il faut expérimenter le Seigneur. Si tu as besoin de quelque chose, il faut demander à ton papa. Si tu as besoin de quelque chose, il faut demander à ton papa qui est Jésus. Il va te donner. Si tu lui demandes un cœur pur et puis c'est pour faire une bonne chose, il va te donner. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. C'était mon témoignage. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, pour terminer, je vais lire le psaume 22, à partir du verset 24 à 25, qui dit ceci, et je lis la parole du Seigneur avec grand respect. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui. Vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Bien-aimé, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation que tu traverses, crie au Seigneur Jésus-Christ. Crie à lui. C'est lui qui a la solution à tes problèmes. C'est lui qui peut apporter une suite favorable à ta requête. Et sans plus tarder, je vais dire merci encore au Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu Israël. Que le Seigneur encore continue à vous utiliser puissamment pour son œuvre. Et merci d'être passé sur ce plateau. Et sur ce, nous vous disons shalom et à bientôt. Shalom, shalom, peuple de Dieu.